Eh bien salut à tous, c'est Stramfun, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le jeu Project Spark. Donc alors aujourd'hui, qu'allons-nous voir? Donc comme le titre l'indique, nous allons voir un peu les interactions avec les autres personnages des PNJ. Notamment nous allons voir dans une première partie donc les conversations. Donc comment faire des conversations très simples, des gens que vous croisez dans la rue, enfin dans la rue entre guillemets, voilà. Et ou alors des conversations par exemple pour une quête ou quelque chose comme ça. Donc ce sera un petit peu plus cinématographique. Sinon, et dans une deuxième partie, je pense qu'on verra plus tout ce qui est les comportements face à votre personnage, comment les autres joueurs peuvent réagir quand ils vous voient, etc. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc j'ai créé cette petite scène. Voilà, donc avec notre super personnage ici, voilà. Et une charmante demoiselle ici présente. Pareil, elle n'a pas encore de brain. Donc on va s'y atteler d'ici peu. Donc là, si je fais test. Voilà, donc vous avez votre petit personnage. Vous pouvez aller vers elle. Rien ne se passe. Elle reste fixe. Elle vous regarde même pas. La méchante. Voilà. Donc voilà, donc on va faire déjà en tout premier des interactions par rapport à vraiment des personnages, des PNJ qui ne sont sans grand intérêt mais qui quand vous les croisez vous disent bonjour. Donc, alors, nous allons aller voir cette demoiselle. Donc alors, pour commencer, donc on va réutiliser donc ce qu'on a vu la dernière fois, donc déjà avec Interact. Donc on va aller dans Brains. Interaction et Interact. Voilà, donc là on va reprendre le fait que il faut qu'on aille interagir avec la personne pour qu'elle nous parle. Donc alors si vous vous rappelez bien, hop là, attendez, ça j'avais pas supprimé, voilà. Donc si vous vous rappelez bien, donc comme je vous l'avais dit, il y avait plusieurs pages dans un brain, vous pouvez faire plusieurs pages. Donc nous allons appeler cette page là, on va l'appeler par exemple attente. Donc ça va être pendant que... Oula, excusez-moi. Ça va être quand le PNJ va attendre le joueur, va attendre l'interaction. Donc une fois, donc pendant l'attente, une fois que ce sera interagi, on va faire tout simplement, on va passer à la page suivante. Donc on va dans Brains, Switch Page, hop. Modifier, non, c'est dans Brains encore, et Next Page. Donc là on va passer à la page d'après. Donc là vous faites RB et hop on arrive sur la seconde page. Donc là on va l'appeler message tout simplement. Hop, comme ceci. C'est super. Donc maintenant on va arriver sur cette page et tout simplement on va mettre, on va dire que la fille va nous dire bonjour. Donc alors on va aller dans Appearance et Say. Alors là vous tapez votre texte, donc nous allons mettre bonjour. Voilà, tout simplement. Et ensuite, regardez, si je laisse comme ça. Donc là, vous voyez dans le dernier tuto, voilà, elle est en surbrillance et il y a B. Donc voilà, donc là c'est pour interagir, donc je fais B. Donc là elle nous dit bien le message, mais vous voyez ça reste et il ne s'en va pas. Donc alors pour que on va rajouter un timer. Donc on va rajouter une ligne que l'on va avancer. Voilà, on passe en sous-programme. Et là on va mettre when, donc timing and logic, cooldown timer. Donc ça c'est un minuteur, voilà. Et on va mettre dans values, numbers, on va mettre, ben elle le dit pendant 2 secondes. Et donc au bout de ces 2 secondes, on va revenir à la page d'avant, à la page d'attente. Donc alors, soit, je vais vous montrer deux méthodes, soit vous faites switch page et, non. Et previous page, voilà, donc là ça marche.
ou sinon donc là ça marche parce que on sait que la page d'attente c'était juste celle d'avant. Donc si par contre vous faites un programme beaucoup plus long tiens j'ai gagné 85 trucs. Bon si vous faites un programme un peu plus long du coup ce sera peut-être pas la page d'avant. Donc alors tout simplement si vous voulez revenir à une page plus antérieure dans votre programme, alors attendez, on va supprimer et on va aller dans values. Là vous allez dans text et vous allez dans new text et là vous allez taper le nom de la page à laquelle vous voulez aller. Donc on va aller à attente et donc là hop, donc au bout de 2 secondes on va revenir à la page attente, donc qui était celle d'avant. Et donc là, hop, ça reviendra en phase d'attente, donc ça marchera que quand on interagira avec la demoiselle. Donc je vais vous montrer ça. Donc la B, bonjour. Hop, vous voyez le message est resté 2 secondes, et là si je rappuie sur B, bonjour, et voilà. Hop. Donc, par contre maintenant, si vous regardez bien là, on... Voilà, elle reste totalement statique, elle ne nous regarde pas, donc c'est pas super agréable pour nous. Donc, on va changer ça tout de suite. Donc alors, on va enlever ça et on va rajouter une ligne avant, déjà. Donc on va faire que lorsqu'elle nous voit... Lorsqu'elle voit le joueur, elle se tourne vers lui. Donc, when. Donc alors, sensor et si. Voilà. Donc lorsqu'elle va voir le joueur, donc object player, voilà. Quand elle va voir le joueur, donc on va dire do, movement turn. Voilà. Et là, toward, donc vers. Et là, on va remettre player. Voilà. Et donc interacted, hop, là, ça ira plus vite. Oui, donc vous pouvez les taper si vous n'arrivez pas à retrouver les programmes que je mets. Donc ça s'appelle des tiles. Chaque commande, ça s'appelle des tiles. Donc si vous n'arrivez pas à retrouver une que j'ai mis, il vous suffit juste directement de taper sur le clavier et ça vous recherchera automatiquement. Donc ça permet aussi un certain gain de temps après quand vous faites des programmes assez avancés. Donc là on va le mettre. Donc regardez, là vous voyez, hop, elle se tourne toujours autour de... Elle nous fixe toujours parce qu'elle nous a vu. Donc là si je le fais, voilà, elle va dire bonjour. Et là, hop, si je reviens dans son champ de vision, hop, elle nous suit. Par contre, là, par contre, elle nous suit pas. Et là, on n'est plus dans son champ de vision. Du coup, elle nous regarde plus. Alors, comment arranger cela? Et ben, tout simplement, hop. Alors, vous allez, on va copier cette ligne. On va la rajouter sur l'autre page. Donc pour copier vous faites vous allez sur le chiffre là juste avant. Donc là vous faites LT pour copier, hop, et vous allez à l'autre page. Et là vous faites RT tout en haut et vous voyez ça l'a mis, donc ça le fera automatiquement. Donc là normalement ça devrait marcher. Voilà, donc là vous voyez elle continue à nous suivre tout le temps. Donc voilà. Bon alors par contre elle reste assez stoïque, voilà, elle a pas d'expression, c'est pas drôle. Donc on va lui rajouter une petite expression, donc quand elle va parler. Donc alors on va rajouter une ligne ici, donc je rappelle c'est en pressant le stick gauche. Donc on va rajouter une ligne, on va faire qu'elle dise, donc on va faire appearance emote, voilà. Et là on va dans emote. Et alors on va faire, hop, à la page d'après, talk. Voilà. Hop. Et donc là vous voyez, hop, avec ses petites mamans, ses petites mimines, hop, voilà, elle simule la discussion.
Hop là, donc vous voyez, donc voilà, elle parle bien, donc avec les gestes et tout ça. Donc, mais par contre, il faut interagir avec elle. Donc on peut changer ça tout simplement. C'est-à-dire qu'il suffit de changer interagir, voilà. On va le remplacer par autre chose. Donc on va aller dans Sensor et on va mettre Detect. Et alors maintenant, on va dire que c'est quand elle détecte le joueur. Donc, on va aller voir sa zone de détection. Donc dans Properties, Brain, si vous vous souvenez, et Sensor. Et on va mettre sur True le Show Detect Sensor. Et voilà. Donc là, on a sa zone de détection. Donc, quand on rentrera... attendez. Oula, hop, je vais mettre une petite herbe, voilà. Pour bien distinguer sa zone de détection, comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans la zone. Hop, elle nous dit rien. Hop, on rentre. Et voilà. Hop, elle nous dit bonjour. Mais vous voyez, elle nous dit bonjour en continu par contre. Parce qu'elle nous détecte tout le temps. Vous voyez, la petite bulle saute comme ça. Enfin, elle clignote. C'est-à-dire qu'elle hop, elle se remet à jour parce qu'elle nous détecte toujours. Donc alors pour... si vous voulez faire qu'elle ne se passe qu'une seule fois. Hop, il vous suffit juste de rajouter avant détecte. Vous allez dans Timing and Logic et vous ajoutez Once. Alors Once, ça veut dire que c'est une ligne qui va ne se faire qu'une seule fois dans la partie. Donc, c'est-à-dire que là, hop, elle va me détecter, donc elle dit bonjour. Hop, ça disparaît. Et là, je peux sortir de la zone et si je re-rentre, vous voyez, elle me dit toujours rien. Voilà, donc là, elle a fini de me parler. Et elle ne me redira plus son petit bonjour. Donc voilà à peu près par rapport vraiment à des interactions simples. Bon, vous pouvez rajouter aussi quand elle voit le player aussi. Quand elle nous voit, vous pouvez... Hop, on va rajouter une ligne ici. Hop, on va faire do. On va rajouter une emote. On va dire que elle... qu'elle nous fait coucou. Greet. Voilà. Hop, ça veut dire qu'elle va nous saluer de la main. Donc quand elle va nous voir, hop, vous voyez, elle nous fait coucou. Hop, on rentre, bonjour. Et voilà. Mais vu que je l'ai mis avant le once, vous voyez, elle nous fait coucou. Mais là, si je re-rentre, elle nous dit pas bonjour. Elle nous fait coucou, donc à chaque fois qu'on la voit. Donc là, on est sorti de sa zone de vision. Là, on est re-rentré dans sa zone de vision. Et donc là, on a la zone de détection. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour vraiment les conversations très simples, donc avec les PNJ que vous pouvez croiser dans l'environnement. Donc alors maintenant, on va voir des dialogues assez complexes et plus poussés, par exemple, si vous voulez faire quelqu'un qui vous donne une quête. Donc on se retrouve tout de suite. Donc alors, nous allons maintenant faire une conversation pour une quête, par exemple. Un personnage veut vous donner une quête. Donc, pour cela, tout d'abord, il faut que vous sachiez que ce personnage peut vous donner une quête. C'est-à-dire que on va ajouter quelque chose donc au-dessus de sa tête qui montrera qu'il a une quête à vous donner. Donc on va mettre que ça se fasse tout le temps. Donc alors on va faire when. Enfin on va mettre. Donc on va remettre quand elle voit when see player. Voilà. Alors do on va rajouter. Alors là maintenant on va créer donc on va mettre par exemple un point d'exclamation juste au-dessus de sa tête. Donc ça va être une image qui va être créée donc sur votre écran. Donc c'est sur le display. Donc on va faire create, interface, display. Donc alors maintenant on va choisir dans la gallery ce que l'on veut. Donc on va aller dans les items, voilà, sur le cœur. Hop. Et alors là, on va mettre interact.
Donc on va prendre par exemple, on va prendre, bah, je sais pas, pas celui-là. Par exemple, hop, juste un cercle. Voilà. On va le mettre dans Modifiers, on va le mettre above. Et on va dire me. Donc ça va être ça, ça veut dire au-dessus donc de moi. Voilà. Et on va rajouter bah déjà on va voir avec ça ce que ça donne. Donc là vous voyez elle me voit. Donc là le point d'exclamation est peut-être un petit peu petit. Enfin je sais pas pour vous mais moi je le trouve assez petit. Voilà. Donc on va le grossir un peu plus. Donc on va aller dans Modifiers. On va aller dans Scale. Voilà. Et donc là on va rentrer une valeur. Donc dans Values Number on va mettre 2. Donc 2 ça veut dire qu'elle sera 2 fois plus grosse. Donc là, hop, vous voyez, on a un beau point d'exclamation quand elle nous voit. Donc ensuite on va rajouter les lignes donc hop non hop on va rajouter un sous-programme donc on va dire que elle va aussi se tourner donc vers nous vers le player voilà donc là si vous avez bien suivi donc là quand elle va nous voir il y aura la bubule qui va s'afficher au-dessus de sa tête et elle va se tourner vers nous. Donc maintenant on va faire when interacted, interact, donc brains, interaction, interact. Quand elle va être interagir, donc on va faire un switch page et next page. Alors il faut savoir que là par contre, je vous le montrerai après ce que ça donne. Je vais déjà vous montrer ça. Donc là on va arriver sur une nouvelle page. Donc là ça va être le début du dialogue. Donc on va faire quelque chose déjà qui lui donne un aspect cinématographique. C'est-à-dire qu'on va juste rajouter les bandes noires comme vous voyez par exemple dans les films. Alors c'est dans... Non c'est pas ici. C'est dans caméra. Vous allez dans caméra, caméra effect. Donc bon vous avez caméra shake. Bon ça c'est si vous voulez faire par exemple un tremblement de terre. Il y a la caméra qui va trembler. Depth of field. Alors ça c'est ça va donner une notion de flou. Et nous on va s'intéresser à letterbox. Donc on va voir les bandes noires. Donc là on aura les bandes noires. Et ensuite, on va dire que on va lui donner une emote. Talk. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Excusez-moi. Emote. Et talk. Voilà. Ensuite, nouvelle ligne. Donc, elle va dire à l'aide. Hop. J'ai oublié l'espace. À l'aide. Voilà. Et alors ensuite, on va rajouter un minuteur, pareil. Hop, je donne timer. Donc là, on va le mettre, par exemple, à 2.5. Voilà. Hop. Donc vous voyez là, j'ai tapé sur le clavier et ça me donne directement la valeur. Donc c'est assez rapide. Et là, on va mettre un switch page. Donc je vais le taper aussi. SWI switch. Page et NEX, normalement ça suffit pour que ça apparaisse. Voilà, next page. Hop, donc là vous voyez, donc ça va afficher les bandes noires. Hop, elle va se mettre dans les positions de parler. Elle va dire à l'aide, et au bout de 2,5 secondes, ça va passer à la page d'après. Donc je peux vous montrer ça. Donc là, hop, vous voyez, il y a le point d'exclamation. Si on s'approche, hop, on a le B qui s'affiche. Pour interagir et si on interagit voilà elle dit à l'aide voilà et bon là ça s'enlève parce que après il n'y a plus rien du tout. Il faut savoir que
Je vais vous remontrer ça. En fait, quand on lui parle, on peut toujours contrôler le joueur. Regardez, là, hop, je peux bouger. Donc nous, on veut que notre joueur, une fois qu'on interagisse avec le PNJ, notre joueur s'arrête. Donc, pour cela, il faut rajouter sur la première page. C'est celle-là. Voilà, donc, d'ailleurs, je vais l'appeler attente, j'ai oublié. Hop, attente. Donc, on va rajouter sur cette première page, ici, on va enlever le do, là. Et là, on va mettre, on va aller dans Brains. Hop. Et on va aller dans... Mass. Non, c'est pas ça, désolé. Hop. On va aller dans... Voilà, et donc là on va aller dans Brains, hop, la page d'après Multi Brain, et là on va mettre Disable Brain, c'est à dire que ça va mettre sur off le cerveau du joueur. Hop, et donc on va spécifier que c'est celui du joueur, parce que si on le met pas, ça va mettre sur off le cerveau. Donc du PNJ. Donc là il faut bien mettre spécifié que c'est celui du joueur qu'on veut qui s'arrête. Et là on va rajouter, hop, en décalant, là on va mettre notre switch page next page. Voilà. Donc là si je reviens en jeu, hop, je fais B et là je peux bouger le joystick, rien ne se passe, vous voyez. Hop. Et bon là vu que là rien ne se passe, ça se finit, et vu qu'on n'a pas continué le programme, on peut toujours pas. Le cerveau a été mis sur off pour tout le temps. Donc ça, on le changera plus tard. Donc on va continuer notre petite discussion. Donc là, après, pour plus de simplicité, vous allez carrément copier la page. Donc alors moi, en fait, je me sers beaucoup des pages. C'est-à-dire que pour chaque bulle de texte, je crée une page. Donc là. Regardez, ça va être plus simple. On fait copy page. Hop. Et là, vous allez sur une nouvelle page. Et là, vous faites past page. Donc pour coller. Hop. Et là, vous pouvez même faire encore RB. Hop. Vous allez encore sur une nouvelle page. Vous pouvez faire past. Et encore une nouvelle past. Donc voilà. Donc là, vous avez plusieurs pages. Bon, alors vous avez les mêmes choses. Mais on va le changer petit à petit. Donc là, on est. Donc là on est sur la première page, on va l'appeler PNJ. Voilà, hop, ensuite on passe sur l'autre page, ça va être joueur. Hop. Donc alors pour que ce soit le joueur, ici on peut rajouter juste en appuyant sur le stick gauche, là on va mettre Object Player. Et ici on va rajouter Object Player. Donc là ça veut dire que ce sera le joueur qui va avoir l'emote de parler et qui va dire, par exemple, on va faire new text. Donc attendez, je vais vous montrer. Vous pouvez faire X pour supprimer. Là, vous faites values, text et new text. Donc là, on va mettre qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Et là par contre, vu que la phrase est un peu plus longue, on va mettre sur 3 secondes. Voilà. Et donc là, hop, on va passer à la page d'après. Hop. Donc là, on va remettre PNJ. Alors je vous conseille de renommer vos pages PNJ 2 par exemple. Parce que sinon vous allez être très vite perdu. Donc là, on va laisser comme ça. On va juste changer le texte. Donc il suffit en fait juste de rappuyer dessus. Et vous faites pas de new line. Donc bon, on va refaire texte, new text. On va faire par exemple, je sais pas moi, j'ai perdu mon fils. Pauvre madame. J'ai perdu mon fils. Hop là. Donc là, on va remettre 3 secondes à peu près. Hop. Et là, on arrive sur le joueur.
Donc joueur 2. Et là on va mettre donc on hop et vous, on remet player sur les deux. Et là vous pouvez mettre je sais pas moi par exemple je vais le retrouver. Le retrouver. Hop. Et voilà, et donc là on va remettre 3. Et voilà. Et alors là on va donc là c'est la fin du, on va dire que c'est la fin du dialogue. Donc on va voir déjà si ça marche. On va voir la demoiselle. Hop, là vous voyez, on peut juste bouger la caméra à l'aide. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon fils. Je vais le retrouver. Et voilà. Et donc là, ça se finit. Et donc là, vous voyez, on a encore plus notre cerveau d'activé. Notre cerveau n'est plus réactivé. Donc, on va changer ça tout de suite. Donc, hop, on va retourner dans le brain. Donc, on va retourner à la dernière page. Et donc là, on va faire... Ici, on va renlever ça. Et là, on va mettre... on va mettre que le cerveau remarche. Donc, on va retourner dans Brains. Hop, Multi-Brain. Et Enable Brain, ça veut dire que ça remet le cerveau. Donc, hop, player du joueur. Et on va rajouter une ligne, par exemple. Et là, on va remettre... Switch Page. Et là, hop... Et là on va mettre par exemple si vous tapez, normalement si je tape attente, vous voyez ça me retrouve hop attente. Et donc là normalement la boucle est bouclée. Donc là vous voyez là il y a le point d'exclamation. Hop à l'aide, nanana. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon fils. Je vais le retrouver. Oui je ferai un super bon doubleur. Et donc voilà, donc là par contre, et là vous voyez, j'ai retrouvé le cerveau du joueur, hop, et je peux aller accomplir la quête. Donc voilà, donc après, hop, donc voilà, donc là on a vu pour un dialogue un peu plus cinématographique. Après, j'essaye encore de chercher pour faire que à chaque fois qu'une personne parle. La caméra par exemple se met comme ça devant son visage. Mais je galère encore car c'est au niveau du placement du joueur que j'ai un peu de mal. Donc pour l'instant c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux. Je trouve déjà que c'est déjà bien, ça fait bien cinématographique et on rentre bien dans le dialogue. On rentre bien dans le dialogue. Donc maintenant nous allons passer plus à la deuxième partie qui est basée sur les différents types d'interactions, comment les gens peuvent réagir avec vous.